Alors, on va parler aujourd'hui des sous-groupes à un paramètre du groupe linéaire. Alors, je pense au groupe linéaire GL, N, 2C. Alors, sous-groupe à un paramètre du groupe linéaire, ça fait trois bonnes raisons pour se dire, quand on passe la grille interne, c'est pas pour nous. Ben si. En fait, regardez le problème, l'épreuve 1 de 2014, c'est exactement ça, on est en plein dedans. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous-groupe à un paramètre du groupe linéaire? On va se donner des exemples d'abord intuitifs et puis on mettra de l'ordre ensuite. Les deux grands exemples qu'on a en tête, c'est la droite et le cercle, les grands outils maçonniques, quoi. Donc, la droite et le cercle, oui, regardons le cercle. Ensuite, on regardera la droite. Et après, on verra que finalement, derrière tout ça, se cache l'exponentielle. Et ça va être ça, finalement, le résultat final. Donc, regardons le cercle. Le cercle, on sait qu'on a une paramétrisation du cercle, hein, c'est x égale cosinus θ, y égale sinus θ avec θ dans R, paramétrisation trigonométrique. Matriciellement, ça revient au même, hein, de regarder ce point-là et de regarder la matrice cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ. D'accord? Donc c'est juste une façon de regarder les choses matriciellement. Et j'affirme que c'est égal à l'exponentielle de j θ. On va en déduire finalement que l'exponentielle est derrière ce sous-groupe. Alors pourquoi c'est un sous-groupe? Vous le savez par multiplication complexe, quand on regarde le cercle unité hein, de C. Hein, donc on a un sous-groupe multiplicatif à un paramètre, puisque ça dépend de θ. Du groupe linéaire GLN de C, oui, puisque c'est dans C l'étoile. C l'étoile, donc c'est GL1 de C. Donc c'est un cas particulier. Maintenant, pourquoi l'exponentielle de jθ est égale à ça? Avec J égale 0, 1, moins 1, 0. Eh bien, regardons, hein, on développe l'exponentielle de jθ. Par définition, c'est identité. Identité, la matrice de 2, plus J fois θ, donc θ c'est un réel, hein, d'accord, θ c'est un réel, plus J2 θ2 sur factoriel 2, etc., plus Jn θn sur factoriel n, on connaît l'exponentielle, le développement analytique de l'exponentielle, et donc maintenant on prend un élément sur 2, donc vous allez prendre identité, on va avoir 1, 1, 0, 0, on va prendre J2, ça vous savez que J2 ça fait moins identité. Donc on va avoir moins θ 2 sur factoriel 2, moins θ 2 sur factoriel 2. Bon, puis après on a compris qu'une fois sur deux, on va avoir une alternance de signes avec des termes pairs. Voilà, ici et ici. Et maintenant, jθ, ça donne aucun terme sur la diagonale principale, mais sur l'autre diagonale, ça va donner θ ici et moins θ là. Et puis ensuite, j3, c'est j2 fois j, donc ça fait moins J, et donc on va avoir le terme moins θ 3 sur factoriel 3, et ensuite plus θ 5 sur factoriel 5, etc. Et là, on aura l'opposé. Bon, donc voilà, puis maintenant, on reconnaît ici le développement du cosinus, le développement du sinus, et on a bien ce qui était annoncé. Et finalement, l'image de l'application qui a θ associe exponentielle de J θ, eh bien, on peut le dire comme ça. Hein. Alors là, c'est dans le GL2 de R. Bon, eh bien, c'est le cercle. On peut le voir comme ça. Ou on aurait pu le voir directement dans GL1 de C avec θ égale exponentielle de iθ, hein, la fameuse formule de Moivre. Bon, maintenant. Un autre exemple de sous-groupe à un paramètre, évidemment, c'est la droite réelle. Vous prenez la droite réelle, c'est un sous-groupe, disons, à un paramètre de. Mais alors cette fois-ci, c'est additif. On va voir en fait que ça peut être vu multiplicativement. Regardez,
vous regardez l'exponentielle de nt, où n, c'est la matrice nilpotente, 0, 0, 1, 0. Quand vous allez prendre l'exponentielle de ça, eh ben, vous allez avoir identité plus nt, ou tn, plus les autres termes qui vont être nuls, parce que elle est nilpotente d'indice 2. Et donc, ça va nous faire 1, 0, t, 1. Voilà l'exponentielle de nt. Bon, alors ça, c'est très bien, parce qu'on voit qu'on retrouve une droite. Quand on va multiplier exponentielle de nt par exponentielle de nt prime, eh bien, ça va nous faire exponentielle de n t plus t prime, d'après les propriétés qu'on connaît de l'exponentielle, hein, parce que nt commute avec nt prime. Et donc, l'addition ici va se muter en une multiplication une fois qu'on a passé l'exponentielle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Un autre exemple où on voit un sous-groupe à un paramètre, c'est l'exemple de l'hyperbole. Alors, de la même manière que le cercle est paramétré par la trigonométrie circulaire, classique, l'hyperbole est paramétré par la trigonométrie hyperbolique, forcément. Donc, on va prendre x2 moins y2 égale 1, qui est une hyperbole de forme normale, disons standard. Et là, il suffit de remplacer x ici par cosinus hyperbolique, là, et y égale sinus hyperbolique, θ, d'accord, avec θ dans R. Alors on aura juste, par continuité évidemment, une seule branche d'hyperbole, mais qui va avoir encore une structure de sous-groupe. Ici, quand on va remplacer ici par des cosinus hyperboliques, on va prendre cosinus hyperbolique θ, sinus hyperbolique θ, là ici, sinus hyperbolique θ, cosinus hyperbolique θ, et on prend pour j égale 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, et là, on n'aura que des plus, et on va reconnaître le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique ici et ici. Voilà, donc, comme exemple, hein, c'est suffisant, maintenant on va pouvoir passer en gros au résultat général que l'on va prouver. On va généraliser les exemples qu'on a vus, mais maintenant en plonger dans toute dimension, hein. Bon, dans toute dimension, mais ça reste des sous-groupes à un paramètre, donc de dimension 1 en quelque sorte, mais plonger dans des espaces de dimension quelconque. Et voilà ce qu'on a comme résultat, on peut appeler ça théorème, hein, soit F, un morphisme de groupe. Alors, morphisme de groupe de R dans GLN de C. R, c'est pour l'addition. GLN de C, évidemment, la multiplication des matrices. Continue. Attention. Continue. Ça va être important. Alors, il existe une matrice A de MN de C telle que F de T est égal à exponentielle de TA, ben, quel que soit T dans R. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez fort, qui prouve finalement que l'exponentielle va être derrière tous les morphismes, hein, de R, donc une façon de voir, hein, on essaye de voir continuellement R dans GLN de C, et c'est l'image de F qui va être le sous-groupe à un paramètre, puisque c'est un morphisme de groupe, donc son image, ça va être un sous-groupe, d'accord, et ça va être un sous-groupe à, on dit à un paramètre, puisque ça va dépendre du paramètre R, et dans le groupe linéaire, GLN de C. Hein, voilà. Je pense que vous avez compris à peu près déjà le titre et l'énoncé et quelques exemples en tête, le cercle, l'hyperbole, au moins une branche d'hyperbole et la droite. Voilà, avec des exemples ici de matrices typiques en dimension 2, au moins en dimension 2 sur R et en dimension 1 sur C. Voilà. Alors maintenant, bon ben, on va prouver ça selon une procédure qu'on a utilisée avec Jérôme Germoni dans Nouvelles histoires hédonistes de groupes et géométrie, c'est l'exercice 3F17. Voilà la procédure qu'on va suivre, hein, qui est une procédure complètement classique. D'abord, on va regarder l'intégrale de 0 à alpha de f de s ds. Alors attention, ça c'est une matrice. On est bien d'accord que c'est une matrice. Rien ne dit que c'est une matrice inversible. Là, on est dans les matrices parce qu'on a ajouté
Finalement, on ajoute de façon infinitésimale des matrices inversibles, mais quand on ajoute des matrices inversibles, on sait que ça ne fait pas forcément des matrices. Alors, ça veut dire qu'on intègre coefficient par coefficient, hein, si ça peut vous rassurer. Voilà, c'est juste de l'intégrale coefficient par coefficient. Alors maintenant, quand on multiplie par f de t, on fixe t, hein, on multiplie par f de t, eh bien, j'affirme que ça fait l'intégrale de t à t plus alpha de f de s ds. Voilà. Donc ça fait un décalage ici au niveau des bornes. Alors bon, ça c'est tout simple. Hein. On a f de s fois f de t est égal à f de s plus t, parce que f est un morphisme de groupe. Maintenant, quand on va intégrer ça sur s, on va obtenir l'intégrale de f de s, que ça, ceci est égal à l'intégrale de f de s plus t ds. Mais maintenant, on va poser un changement de variable s' égale s plus t, où s' va aller de t maintenant à t plus alpha, et avec ce changement de variable, on montre que c'est égal à ça. Donc vraiment, c'est assez simple. Il faut juste accepter quelques petites formules d'intégration. Hein, pourquoi est-ce qu'on peut multiplier ici à l'intérieur, bon, qu'on admet très facilement. Maintenant, deuxièmement, alors là, on n'a même pas utilisé le fait que, on a utilisé le fait que f était intégrable, mais pas continue. Hein. Elle est continue, donc intégrable, mais on n'a pas spécifié hein, le côté continu de f. Alors maintenant, deuxièmement, eh bien, pour alpha strictement positif assez petit, la moyenne de f de s sur 0 alpha, qui est une matrice, et je vous rappelle qu'a priori, elle est dans Mn de C, eh bien, a posteriori, en fait, elle est dans Gln de C, c'est-à-dire que ça va être une matrice inversible pour alpha assez petit. Alors, je munis Mn de C d'une norme, d'accord ? Juste une norme, pas forcément une norme matricielle, hein, il n'y a rien qui m'oblige à prendre une norme matricielle, et je vais regarder la différence entre cette matrice et l'identité. Pourquoi ? Parce que je sais que Gln de C est un ouvert de Mn de C. Pourquoi c'est un ouvert? Je vous le rappelle, hein, tout le monde doit le savoir à l'agrégation. C'est parce que le déterminant est continu et que Gln de C, c'est l'image réciproque de C étoile, qui est un ouvert de C, par le déterminant qui est continu, donc c'est un ouvert. Donc ça veut dire que quand vous êtes suffisamment proche d'un élément de Gln de C, vous êtes dans Gln de C. Voilà. Eh bien, il se trouve que pour alpha assez petit, eh bien, f de s va ressembler à f de 0 ici, et f de 0, comme c'est un morphisme, ça va être l'identité, eh bien, on va voir que cette intégrale va se rapprocher autant qu'on veut de l'identité. Donc maintenant, prenons n de 1 sur alpha, intégrale de 0 à alpha de f de s ds, moins l'identité. Pour l'instant, c'est une matrice moins une autre matrice. Eh bien, j'écris l'identité comme intégrale, comme moyenne finalement d'elle-même. Donc, c'est 1 sur alpha intégrale de 0 à alpha de identité ds, ce qui me permet de sortir le 1 sur alpha, alpha est positif. 1 sur alpha n de intégrale de 0 à alpha de f de s moins identité ds. Voilà. Et donc, c'est inférieur à... Alors bon, bien sûr, c'est l'inégalité triangulaire par passage à l'infinitésimal. Et ça va être inférieur à 1 sur alpha, intégrale de 0 à alpha de n de f de s moins identité ds. Maintenant, on peut trouver alpha assez petit. Alors c'est là que j'utilise le fait que f est continu. De sorte à ce que, entre 0 et alpha, ceci soit inférieur à epsilon, avec un epsilon arbitrairement petit. Donc maintenant, on va avoir epsilon. Alors là, maintenant, attention, parce que l'intégrale, ça devient une intégrale dans R, hein, ici, et donc ça va être strictement inférieur à 1 sur alpha fois alpha, ici, fois epsilon, ici, c'est-à-dire epsilon. Donc, on peut se rapprocher autant qu'on veut de IN pour alpha assez petit, ce qui veut dire, puisque GLN de C est un ouvert, que cette intégrale va devenir inversible pour alpha assez petit. Alors, nous voilà rendus à la pierre angulaire de la preuve, où on va montrer que
f est dérivable et on va obtenir une équation différentielle pour f. Alors, allons-y. On va montrer que f' de t est égal à f' de 0 fois f de t, hein, et que f est dérivable, ce qui n'était pas évident au départ, on avait supposé juste f continu. Alors donc, on a dit quoi? Si on doit résumer la situation, que pour alpha assez petit, mais qu'on va fixer pour l'instant, m alpha, hein, on va poser m alpha égale la moyenne de f entre 0 et alpha. On a vu que c'était dans GLN de C, donc cette matrice est dans GLN de C, et que, on a vu aussi que m alpha fois f de t, d'accord, quand on multiplie par f de t, eh bien on va avoir le 1 sur alpha, évidemment, et quand on va multiplier par f de t, hein, on a fait rentrer le f de t à l'intérieur, et on a vu que c'était l'intégrale de t à t plus alpha de f de s ds. Voilà. Donc, maintenant on va se servir du fait que m alpha est inversible, pour alpha qu'on a fixé assez petit, et f de t égale m alpha moins 1, maintenant, fois 1 sur alpha, et cette intégrale, j'écris intégrale de 0 à t plus alpha, moins intégrale de 0 à t, évidemment. Donc regardons, alpha maintenant il est fixé, donc ça c'est constant, et ça c'est dérivable, parce que f est continu. Et ça c'est dérivable, parce que f est continu. Donc globalement, f est dérivable. Et on va pouvoir prendre la dérivée. Quand on prend la dérivée en t, on va avoir m alpha moins 1 fois 1 sur alpha, quand on dérive, comme f est continu, c'est f de t plus alpha moins f de t. Voilà, mais maintenant f de t plus alpha, comme f est un morphisme, c'est f de t fois f de alpha, donc je peux mettre f de t en facteur ici, et il va me rester f de alpha moins identité, c'est-à-dire f de 0, d'accord, puisque f est un morphisme, sur alpha, ou si vous préférez, sur alpha moins 0, pour reconnaître quelque chose de bien clair. Eh bien, on a ça. Maintenant, eh bien, qu'est-ce que je fais? Puisque c'est vrai pour alpha assez petit, je peux le faire tendre vers 0. Et maintenant, m alpha va tendre vers quoi? Quand je fais tendre alpha vers 0, comme f est continu, ça va tendre vers l'identité, évidemment. Et donc, ici, on va avoir l'identité. Ici, quand alpha tend vers 0, je vais avoir par définition f' de 0. Et là, j'ai f de t. Donc si je pose a égale f' de 0, ça me fait f' de t égale a f de t. Et donc j'obtiens une équation différentielle que f doit vérifier. Alors donc, on a dit que f est solution de l'équation différentielle quand y', donc c'est ça, hein, c'est f, égale a y, donc y est vu comme f de t, hein, avec a égale f' de 0. Alors bon, soit on le sait, soit alors on peut le prouver facilement. Il suffit de faire le changement de variable x égale exponentielle de moins at y. Donc quand on va calculer x' en faisant la dérivée du produit, ça fait moins a exponentielle de moins at fois y plus exponentielle de moins at fois y'. Mais y' c'est ay. Et a commute ici, puisque ça c'est un... On sait que l'exponentielle, hein, c'est un polynôme, hein, en A. Hein. Attention, hein, l'exponentielle n'est pas un polynôme, mais l'exponentielle de A est un polynôme en A. Hein, ça, c'est bien connu. Donc, ça commute avec A, donc je peux passer le A ici, et donc ça fait 0. X' égale 0. Et donc, X égale constante, évidemment. Mais cette constante, ça va être la constante qu'on va trouver en posant t égale 0, puisque c'est constant. Donc ça fait exponentielle de 0 fois y de 0, donc f de 0, hein, puisque y c'est f. Exponentielle de 0, c'est l'identité. F de 0, comme f est un morphisme de groupe, f de 0, c'est l'identité. Donc ça, c'est l'identité. Je vais l'écrire i indice f. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, je vais avoir exponentielle de moins a t y égale in, donc y égale exponentielle de at, hein, puisque l'inverse de ça, on sait que c'est l'exponentielle de at, bon, c'est du petit formulaire de l'exponentielle. Voilà, donc on a bien démontré que y, en fait c'est f de t, c'est exponentielle de at, donc ici f' de 0 fois t. Voilà, tout c'est clair, hein, les
les hyperboles, les cercles, les droites, eh bien, ça faisait partie de cette histoire-là. Il suffit de bien choisir les matrices. Alors maintenant, je vais essayer de dire quelque chose qui en éclairera certains, j'espère, et qui est assez important dans ce qu'on appelle la théorie de Lie, c'est que, regardez, on est parti de deux contraintes, une contrainte algébrique et une contrainte topologique. Je m'explique. La contrainte algébrique, c'est le fait d'avoir un morphisme de groupe, c'est-à-dire f de s plus t égale f de s fois f de t. Voilà. La deuxième contrainte est une contrainte topologique, c'est-à-dire f est continu. Voilà. Eh bien, ces deux contraintes nous ont amené, sont vraiment, quand elles se mélangent entre elles, elles forment un mélange détonnant. C'est-à-dire qu'elles nous ont amené à une notion de structure différentielle et que on a quelque chose à la fin extrêmement rigide et complètement régi par l'exponentielle. Voilà. Juste d'abord ces dérivables, ça c'est extraordinaire, parce qu'a priori, il n'y avait rien qui promettait la dérivabilité, mais en plus de ça, la dérivée en zéro, bah, nous donne toute la solution de f. C'est quand même extrêmement contraignant et on voit que le mélange de ces deux contraintes nous donne quelque chose de fort. Alors, je dis ça parce qu'en théorie de Lie, il y a ce qu'on appelle le théorème de Cartan. Et le théorème de Cartan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros que si on prend un sous-groupe, alors là on n'est plus dans des groupes à un paramètre, on est dans un cadre assez général, si on prend un sous-groupe de GLN de C, d'accord? Donc sous-groupe, contrainte algébrique, mais sous-groupe fermé, alors là c'est contrainte topologique, il est fermé pour la topologie de GLN de C, alors ça va être un groupe de Lie, c'est-à-dire ça va être un groupe muni d'une structure différentielle. Voilà, donc c'est une variété différentielle compatible avec la structure de groupe. Donc c'est quelque chose d'assez énorme, le théorème de Cartan. C'est un théorème clé de ce qu'on appelle la théorie de Lie.